Bonjour et bienvenue à Game Dev coder. Donc on va continuer la, la quatrième gazette. Alors cette, cette quatrième gazette, on va commencer maintenant un peu à, à coder, hein, créer du, du code. Et commencer un peu à, à mettre un peu les mains dans le combi, hein, comme on dit, euh, sur le langage le langage assembleur. Euh, du 6502, euh, du PPU, hein, de la NES, euh, également. Hein. Euh, donc on va voir un peu comment tout ça s'articule on est en termes de langage assembler, euh, comprendre comment euh, le jeu d'instructions. Hein, on a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait 56 instructions en langage machine sur le 6502 on va en voir quelques-unes ici puis on va essayer de comprendre comment euh, comment ça fonctionne alors euh, pour commencer ben, on va créer un répertoire euh, 00 first dans euh, le code nintendo nest bon moi j'ai mis un tiré court hein, puisque je, je fais les cours donc vous créez directement dans nintendo nest euh, du répertoire code un répertoire triple zero first, vous créez donc un fichier bin, euh, un, fichier, un répertoire bin, un répertoire source, et un fichier, euh, euh, moi j'ai mis en deux scores mais vous pouvez l'appeler compiler.bat, donc vous cliquez un bouton droit, euh, nouveau, euh, document, hein, et ensuite vous renommez le document en compiler.bat. Dans la source, bah pareil, hein, vous cliquez bouton droit, nouveau fichier, document texte, et que vous renommez en first.s. Et ensuite, bah, il va falloir réécrire alors tout ce code ici. Les 47 lignes ici. Hein, le code qui est ici. Euh, alors, bah, je met, oubliez, mettez la vidéo, je dirais, en, en stand-by, hein, en pause, hein, tout simplement. Pour euh, reprendre le code qui est ici, hein, tout simplement, il y a 47 lignes. Donc ici vous avez 28 lignes et de, ici donc de 28 à euh, 47 lignes. Alors si vous n'avez jamais fait d'assembleur, ça peut faire peur. Je le comprends. Hein, on voyez des zéros, des jets, des dollars, euh, LDX, STX. Euh, des, des, des choses qui ressemblent à des étiquettes ou des choses qui ressemblent à des procédures, des segments. Bon, c'est vrai que c'est un peu euh, un peu compliqué. Voilà, bon ça. Si vous n'avez jamais fait de langage assembleur, vous avez programmé un assembleur. Oui, ça paraît compliqué. Et euh, oui, je vous confirme que c'est pas si évident que ça. Alors, on va prendre un peu grossièrement les choses et ensuite on va essayer de le comprendre ligne par ligne d'instruction. Alors, un segment, c'est quoi? Un segment ici, pour le CC65 ou l'assembleur CA65, c'est un espace d'adressage. Donc, on va lui dire dans telle zone mémoire, on va adresser euh, du code. Et on va adresser ici le point byte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va lui adresser, qui doit dire on dit au compilateur, ce n'est pas de le code, ce n'est pas une instruction machine. Euh, on va lui adresser directement euh, des valeurs en octets et en hexadécimal ici puisque dollar c'est en hexadécimal. Donc, en hexadécimal, on va afficher, euh, donc, à la mémoire, ici, donc, 4E, à la mémoire, plus 1, 4, 45, euh, en hexadécimal, hein, je, je parle, un bon, hein, c'est plus que ça, hein, euh, d'accord Donc, on mettra 4E hexadécimal, 45, 53, etc., on mettra des octets, hein, je rappelle qu'en hexadécimal, un octet va de 0 à 255, donc c'est noté FF, 1 FF pour 255 en hexadécimal. Donc là, si on déclare un segment de code, donc on va lui dire ben ici commence le code et on verra ensuite sur une autre vidéo comment est défini tout simplement l'emplacement mémoire en question. Et on va définir, on voit quelque chose qui ressemble à une procédure euh, IRQ, une procédure ennemi euh, une procédure euh, RESET ici. Et ensuite, on voit qu'on a une procédure main qu'on connaît un peu, on sait, hein, puisqu'on sait qu'on sait, tout programme doit commencer par, euh, par, un, par une fonction qui est int main, entre parenthèses, void, euh, si on est euh, puriste, on a un segment de vecteurs, on a un segment de caractères et on a un segment startup. Donc maintenant, on va regarder plus en détail hein, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et pour cela, on va aller chercher, bien évidemment, la Gazette, hein, la Gazette numéro 4 qui va parler un peu du langage euh, langage assembleur, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, on vous dit que le langage assembleur, ben, c'est quoi C'est euh, des, des instructions qui vont être compilées en langage machine, et selon euh, le processeur, euh, dans un type, hein, tout simplement, de, de machine, sur une architecture matérielle. C'est-à-dire que le 6502 est dans une machine NES, il peut être dans une machine Atari, alors je ne sais plus, hein, je dis n'importe quoi, je ne sais plus dans quoi il est inséré, mais bien évidemment, l'architecture de la machine, de la console, n'est pas la même. Hein Donc on est obligé de prendre en compte comment est structuré euh, l'adressage mémoire des composants, hein, tout simplement, de la console. Donc ici on a une, une représentation un peu euh, synthé synthétique de ce qui est une hein, On a ici une carte, une carte mémoire. On a un processeur qui est le 2A03 hein, qui est constitué d'un processeur 6502 et d'un processeur euh, ou plutôt un générateur euh, de son, la PU. Hein. Et on voit que le, 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 ce processeur ici hein, peut adresser une RAM de 2, de 2 kilo octets. On a le PPU ici. Hein, pour les, tout ce qui est la gestion euh, des, des caractères, hein, c'est-à-dire des sprites et des images et des couleurs. Hein, voilà, qui lui peut adresser euh, une RAM de 2 kilos. Et on a la ou la cartouche. Hein, sur lequel on a euh, notre programme, hein, une ROM, CPU, c'est-à-dire c'est là qu'on aura notre programme. Hein, donc lui va venir lire notre programme et selon ce que notre programme fait va adresser ici dans la RAM euh, des instructions. Et puis ensuite, euh, selon les instructions, on va lui dire ah bah tiens va euh, me lire euh, dans le PPU hein, euh, l'image numéro 1 donc le il va aller dans la ROM euh, des caractères hein, ici c'est de 8 kilos pour lire euh, le je sais pas moi le tilde numéro 1 puis il va renvoyer ici lui ici hop il va récupérer le TILS, puis il va le ranger dans sa mémoire ici hein on va lui dire par exemple va chercher le tilse euh, une ensemble de, 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 de toiles, de tuiles dans la rome, et tu les ronges en des temps de 2 kg ici, comme ça ça ira plus vite, pour pouvoir travailler dessus. Hein. Mettons, je sais pas, hein, je veux changer les couleurs d'une tuile, et ben tu vas me la ronger ici, et après je vais pouvoir, moi, travailler dessus. Voilà. Près, à peu près ça. Hein. Puis euh, le CPU peut jouer le joystick et puis le PPU va sur le téléviseur pour faire l'affichage. Bon. Il faut voir maintenant comment tout ça va se. va s'articuler, hein, tout simplement, en langage assembleur. Bon, on explique un peu euh, ce que c'est que le mapping mémoire, hein, ici. Hein. Je, vous laisserai, euh, je vous laisserai lire, hein, tout simplement, à tête reposée. Hein. Donc on voit comment euh, je dirais est, est, est implémenté euh, les différents process différents euh, éléments hein, ici en mémoire. Hein, donc on voit que euh, à l'adresse 0 à 7FFF on a une mémoire de 2 kilos, pour le CPU. Hein, à l'adresse 0801FFF on a également euh, une, mé une mémoire ici. Hein. On a un registre PPU. On verra ce que c'est qu'un registre PPU. On a le miroir des registres de PPU. <laughs> on a la PU pour le son et, les et la gestion des joysticks, ici. Hein, de l'adresse 4000 à 4017. De 4018 à 7FFFF et rien. De 8000 à BFFFF, on a une ROM optionnelle. Hein. De 16 kg et de C000 à FFFFFF, on a une robe obligatoire de 16 kg. Bon, ça c'est un type de gestion de ce qui est ici, hein. de à peu près ce qui est ici. Bon. Alors, vous, je vous laisserai un peu, un peu regarder tout ça. D'accord Et on arrive ici donc à notre euh, fameux programme. Alors déjà, que fait notre programme Alors le programme que nous allons euh, ici expliquer euh, ne va pas faire euh, morts et merveille, hein, il va afficher tout simplement une fenêtre bleue. Hein, c'est Première course, et pour un peu vous expliquer comment fonctionnent les mnémotiques, les adressages, les valeurs, etc. Donc, vous avez recopié, donc, dans le fichier First, donc, les sources que vous avez vues sur, sur l'écran, et vous allez ici recopier le programme de compilation. Voilà, donc euh, je reprends de début. Donc au début, on va faire un nettoyage. S'il y a déjà eu une compilation, donc on a créé des fichiers objets tiens, avec CA65 et on a créé donc le cartouche NES. On supprime tout et on va recommencer la compilation. Donc on va recommencer ici la compilation s'il n'existe pas. Note n'existe hein, pas le fichier first.o, on le compile. Comme on n'a qu'un seul fichier, bon ben bah, c'est plutôt tranquille. Hein. Voilà. Une fois qu'il a compilé, on met un petit message et on va linker. Donc là c'est pareil. Hein. Donc on va rechercher le linker, le linker du processeur 65 et on va passer donc la source hein, tout simplement et on va lui dire ici. Alors ça ici c'est un peu particulier. On reviendra voir ça dans. Euh, une autre vidéo, c'est pour spécifier au linker qu'on va, enfin, qu va, euh, va compiler selon une configuration Nest. D'accord Et on va donc sortir first.nest. Si tout il s'est bien passé, eh ben, on arrive ici. Et ici, ben, si on a bien euh, la création de notre fichier Nest. On va lancer euh, l'émulateur hein, tout simplement. On va lancer euh, notre premier programme dans l'émulateur mécène. Alors, si on n'a pas notre premier fichier ici, on met une erreur et qu'on on met une pause pour afficher l'erreur hein, pour qu'on puisse le voir, Et si jamais, et qu'on appuiera sur une touche, on va quitter, euh, on va quitter le programme. Pareil ici, hein, puisque en effet, si on, le first point n'a pas été généré ici. Ouais, d'ailleurs. Ouais, enfin, c'est clean. Ouais, c'est bon ça. Ouais, d'ailleurs, je devrais même mettre ça ici. Alors attendez, on va même modifier, je dirais, une seule ligne. On va modifier ici. Voilà. en effet il faut que le s'il n'y a pas on va le créer et si on l'a créé donc on dit que c'est ok et on lance euh, la compilation ouais bon c'est pas bien méchant mais bon. voilà c'est un fichier qui est pas très compliqué bien évidemment ben vous mettez hein, si vous n'êtes pas sur le f hein, que vous êtes sur euh, un autre lecteur le chemin euh, correspondant au compilateur et, et au linker hein, bien évidemment moi comme je suis sur le lecteur F ici hein, hein, sur le lecteur F j'ai ici euh, dev65, cc65 euh, et le fichier bin ici hein, voilà Et j'ai bien évidemment euh, l'émulateur euh, ici, dans les émulateurs, l'émulateur mécène ici, hein, qui est ici. Hein. Bien évidemment, ça tout ça, ça, doit, ça a dû être vu euh, sur les gazettes précédentes. Hein. Et je pense même c'est à la gazette numéro une, je crois, qu'on avait vu comment organiser euh, notre architecture de développement. Donc on retourne dans le code Nintendo hein, puisqu'on pourrait avoir d'autres consoles. Bon, moi j'ai mis tiré-court, mais vous vous mettez directement triple zéro underscore first. Ça sera votre premier euh, votre premier programme. D'accord Donc vous mettez, comme je vous disais, hein, le fichier euh, first.s dans source et, et, et vous recopiez. Euh, ici, tout le fichier, le répertoire, enfin toutes les sources, hein, enfin toutes les lignes de code ici, pour pouvoir compiler et exécuter. Ici, et si on compile et qu'on exécute. Hop, voilà ce que ça donne. Hein. Donc, il est clear. Mais ça, c'est OK. Mais ça, c'est OK. Et mes scènes sont en cours de lancement. Alors, on va attendre qu'il se lance. Voilà, il se lance. Ici, et donc on a notre écran bleu. D'accord Et maintenant, on va donc expliquer le code, hein, tout simplement. Ici. Euh, non, pas ici. Pas, 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 pas ici. Non, pas ici. Pas ici. Non, non, pas ici. Ici. Alors on a donc un segment header qui permet euh, au compilateur de savoir euh, quelle architecture machine euh, il devra exécuter. Pour l'instant vous mettez juste ça, on va pas l'expliquer, à l'exception du terme byte C hein, euh, qui permet euh, d'insérer un nombre de bytes. De bytes, c'est-à-dire un nombre de 0 à 256 le dollar exprime hexadécimal d'accord le dollar ici ça veut dire un nombre en hexadécimal donc on va afficher à l'emplacement du header 4e 45 53 1a 2e 02 01 0000. Euh, au niveau euh, du segment header, à l'adresse du début du segment header. Voilà. Ça, je reviendrai un peu plus tard. On fera une petite vidéo euh, complémentaire là-dessus. Il faut bien comprendre euh, comment ça fonctionne, puisque ça fonctionne également avec un fichier de configuration euh, spécifique au compilateur. Enfin, ACC65 euh, ACC ou ACA65. Bon, on a ici un segment de code, donc c'est euh, le, le code de, de programme, hein, tout simplement stocké dans, dans la ROM, hein, qui va commencer euh, selon la configuration que nous avons par défaut euh, dans, euh, dans CC65 pour la NES, à 8000, hein, il commence à 8000 et il termine à FFFA. C'est-à-dire que notre programme ne peut pas faire plus que... Euh... <laughs> Voilà, bah je vous laisse faire ça au moins ça et convertir sur une calculette, vous verrez le nombre d'octets. Hein D'accord Alors pros, donc le point PROS définit en effet donc, une procédure qu'on va appeler IRQ, qui fait que retourner tout simplement alors, un retour de traitement d'interruption RTI. Donc il dit, euh, en gros, je ne fais il fait rien, elle fait rien. Cette procédure pour l'instant, elle fait que retourner. dès qu'il y a une interruption qui intervient ici. Eh bien, elle le traite en passant dans la procédure et hop, en, en renvoyant euh, la fin de l'interruption. Pareil pour le NMI. Donc s'il y a une interruption, on fait rien, hop, on ressort. Hein. La procédure reset. Alors je, je rappelle qu'on avait vu dans une vidéo hein, qu'il existait donc des vecteurs, hein, un vecteur ennemi, un vecteur reset et un vecteur URQ. Donc ici dans le segment vecteur, on va définir l'adresse, donc .addr, concernant la procédure ennemi, la procédure reset et la procédure IRQ. Je rappelle que le ennemi a été énoncé quand le canon euh, du balayage, hein, tout simplement, de l'écran arrive en bas à droite, et que on va recommencer, hein, donc arrive en bas à droite, et hop, qui va retourner en haut à gauche. Hein, C'est ce qu'on appelle le, ve le vertical synchro. Euh, donc on a, euh, on a le byte 7, hein, tout simplement, de, du masque du PPU qui est à 1 lorsque le canon recommence, hein, tout simplement, à balayer l'écran ce qui génère une interruption ennemie. Le reset, c'est quand vous appuyez sur le bouton marche arrêt de votre console. La première chose que le, le processeur doit connaître, c'est l'adresse du reset. Par où il doit commencer. Il commence par le reset. Et on a ici également ce qui est les IRQ, c'est-à-dire tout ce qui est euh, euh, requête d'interruption. Bon, on verra ça plus tard. On a un segment ici char. Donc euh, c'est une table de sprite qui est en ROM, hein, sur la ROM qu'on a vue, hein, qui fait euh, de 0 à, à 2000 on est en, en hexadécimal. Et on va pour cette première vidéo euh, uniquement remplir cette zone, hein, puisque 2000 en hexadécimal ça fait 8192 t qu'on va remplir euh, de valeur 0 en hexadécimal. Et le segment startup, eh ben, on le déclare, mais on n'a on, on rien dedans. Hein, voilà Bon. Ceci dit nous allons rentrer maintenant plus en détail hein, puisque on a vu que les deux premières procédures ne faisaient rien d'autre que retourner euh, une fin de traitement d'interruption. Alors, on rentre. Alors, tout ceci qui est ici à gauche, c'est ce qu'on appelle les opcodes. Il en existe 54 ou 56 sur le processeur 6502 qui permet de donner des instructions machine au processeur ou pour qu'il exécute des tâches. Donc déjà, on commence par faire un SEI. Qu'est-ce que un SEI C'est sept interrupteur. Interrupte interrupte, sept interrupt, interruption. C'est-à-dire, si vous préférez, on lui dit là, je mets euh, à zéro euh, les interruptions, c'est-à-dire tu ne tu me gères pas les interruptions. C'est-à-dire que ici, IRQ ne se lancera jamais. Si euh, à ce moment ici du programme, je ne mettrai pas ça et qu'il serait euh, en train de traiter ça et qui me fait une interruption, il viendrait ici. Là, je lui dis, tu me les disables. Tu me le fais pas. De même, je ne veux pas faire du calcul décimal. Donc, tu me mets le flag des décimal, euh, du registre d'état. On verra un peu plus bas ce que c'est que le registre d'état euh, du processeur 65. Tu me le disables. Donc, je ne veux pas non plus calculer en décimal. Je vais ici avoir une instruction LDX. LDX, ce mnémotique ici en assembleur veut dire, tu charges load dans le registre X, la valeur. Alors le J ça veut dire que c'est une valeur en décimale et non pas une adresse. Donc tu me charges la valeur 00 en hexadécimal dans le registre X. Le stx, par, par contre là, ça veut dire st, c'est stockage. Tu me stocke la valeur x à l'adresse 2000. D'accord Donc au fait, faire, euh, on n'a pas encore vu hein, les, les masques hein, tout simplement euh, du, du PPU. C'est-à-dire qu'il va mettre donc, la valeur 0 donc, à l'adresse de, de 2000. Et ensuite, ici, on lui dit tu stockes à l'adresse 2001. 0. Donc 0 là, c'est en binaire hein, c'est 0 b 0. Hein. On est bien d'accord hein. Le fait de faire ça, de mettre donc à l'adresse 2000 valeur 0, ça veut dire qu'on dit au PPU désactive-toi, tu n'affiches plus rien à l'écran. Donc on éteint l'écran. D'accord Et ensuite ici, on a alors, il faut comprendre aussi que euh, le code se dit tout le temps euh, linéaire, hein, comme ça. Hein. Donc là, on a lu cette instruction-là, on a lu cette instruction-là, celle-ci, celle-ci. Alors, ici, quand vous mettez une étiquette, c'est au fait une adresse mémoire, une étiquette. Hein. Donc on fait ici, euh, alors je vais, on va l'expliquer. Hein. C'est comme ici, si je fais un jump main, il va sauter à la procédure main. Si je fais ici un BPLV bleu machin, il va me sauter à l'étiquette ici. Donc il va me sauter à l'adresse qui est ici. D'accord Alors l'instruction bit ici, il va dire ah bah tu viens me tu viens me faire euh, euh, comment je vais dire ça une liste une lecture du masque. Ah je vois qu'il manque un S ici un masque. Tiens je vais corriger tout de suite. Voilà, comme ça c'est corrigé. Alors, tu viens donc me lire euh, ici donc, euh, le, le masque de, du statut du PPU. On va après hein, ce que c'est. Ici on va lui dire tu vas boucler tant qu'il est à zéro. Tu vas boucler comme ça tant qu'il est à zéro. Alors le V blanc c'est ce que je vous ai expliqué euh, juste avant. Hein, c'est le balayage du tube cathodique. C'est-à-dire que ici, il va tourner jusqu'à ce qu'on a euh, le alors je vais vous le dire hein, c'est le bipset hein, de, 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 de du masque qui est à 1 qui veut dire que le canon hop est arrivé en bas hein. d'accord donc il va sauter ici sur le ennemi mais qui ne fait rien d'accord et ensuite on va faire un retour euh, de traitement d'interruption d'accord et on va passer ici au suivant Puisque lui, il saute donc euh, le ennemi, hein, voilà. Donc il va sauter ici, et puis il va revenir ici. Et on va sauter à la procédure main. Alors, la procédure main, elle est un petit peu plus euh, compliquée, euh, oui. Hein. Bon, là, c'est ce que je vous rencontre, ça va peut-être être du chinois, mais ensuite, quand on va euh, aller rentrer dans le détail de tous ces 2002, 2006, 2007, hein, euh, on, vous allez comprendre. Hein, vous, vous, voilà. Donc ici, load, elle est x, donc on va charger dans le registre X que la valeur que nous avons euh, en 2002. Alors, pourquoi on fait ça On fait ça pour pouvoir euh, un peu réveiller le, le processeur. C'est-à-dire qu'on lui donne une, On lui dit, tiens, je vais je vais récupérer la valeur que tu as dans le registre 2002, à l'adresse 2002. Mais je ne vais pas m'en servir au fait, c'est juste pour l'activer, pour le réveiller. Hein, pour dire je vais je vais commencer à travailler avec toi sur ce registre. Comme ça, on sait qu'il est déjà euh, électriquement euh, réveillé. <laughs> on va dire. Alors, après, je vais charger euh, la valeur 3F dans ce registre DX qui correspond... Au point, faire, au point faible au point ah, correspond au point fort de l'adresse à laquelle je vais vouloir écrire dans euh, le PPU donc je fais je, je stocke donc les le point fort euh, à l'adresse 2006 du du PPU je fais la même chose pour charger 00 et charger donc le point l'adresse du point faible toujours dans le PPU, à l'adresse 2006. Et je vais maintenant lui dire ce que je veux mettre à l'adresse donc 3F00. Donc là, j'ai chargé le point fort et le point faible de l'adresse auquel je veux écrire dans le PPU. Et maintenant, je lui dis, je vais charger dans l'accumulateur dont le registre a la valeur 1. Et. Je vais ici écrire maintenant à l'adresse. Donc, je vais écrire avec le 2007 qui est le PPU à date. Hein, C'est-à-dire que je vais écrire des données et écrire la donnée 01 à l'adresse 3F00. Comme le registre accumulateur est un registre un peu particulier, c'est qu'à chaque fois qu'on va utiliser une, une incrémentation, une décrémentation ou un enregistrement avec l'accumulateur, l'adresse qui est stockée dans l'accumulateur est incrémentée de 1. Donc une fois que j'ai fait ma fonction d'écriture de 0.1 à l'adresse 3F00, et ben l'accumulateur est incrémenté de 1, donc je passe à l'adresse 3F01 même si ça sert à rien ici puisque je ne fais que stocker la valeur 1 dont euh, l'adresse 3f00 je ne fais pas euh, je vais pas réutiliser euh, comment je vais dire ça euh, je vais pas je vais pas refaire euh, euh, plusieurs fois enfin euh, je vais pas inscrire plusieurs fois euh, la valeur 1, à 3F01, 0,2, etc. Je fais qu'une seule fois l'enregistrement de la valeur 01 dans 3F00. Hein. Toujours, hein, dollar, c'est de l'hexadécimal. Qu'est-ce que je fais ensuite ben Ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai chargé euh, dans euh, la mémoire du PPU euh, une valeur 01, on verra euh, pour, euh, pourquoi hein. à l'adresse donc 3f00 hein, c'est important ça hein. à l'adresse 3f00 j'inscris 0.1 et mettons j'active je vais activer le PPU donc euh, pour l'activer je vais lui dire ben, qu'est ce que je veux qu'il fasse hein, qu'est ce que je veux qu'il affiche et moi je veux qu'il affiche le background donc pour afficher le background vous voyez c'est une suite d'un octet en binaire, 1% ça veut dire binaire, le jazz ça veut dire que c'est une valeur et non pas une adresse d'accord et je vais lui passer donc son bit 1 à 1 et le bit 4 à 1 0, 1, euh, et le bit 3 à 1 le bit 3 à 1 va dire au PPU ben, ce que je veux c'est le background Afficher donc le background et le petit 1 ici sur le premier 1, ça veut dire que je veux le background en couleur, d'accord Et je vais donc euh, écrire hein, le masque vais euh, hein, à cette valeur-là dans le masque du PPU, ce qui fait que l'affichage de l'écran en bleu se fait, puisque j'ai ma couleur d'arrière-plan de background qui est 01. Et, euh, je lui dis d'afficher le background. Donc, il va m'afficher la couleur 01 qui est la couleur bleue. Et ici, j'ai ma gamme donc il va boucler. Voilà. Je fais que ça. Donc, j'ai affiché euh, un écran bleu et, euh, c'est tout ce que je fais. Je boucle. Voilà. Bon. Ce qui est en dessous, on l'a expliqué juste avant. Voilà. Alors, il faut comprendre le PPU transfert. Hein, donc, c'est pour ça, ici, vous avez les valeurs 2000, 2006, 2001, etc. Donc, il faut comprendre que quand vous venez donc interroger, puisque là, c'est le 2000, l'adressage 2000, on va faire un contrôle général. Hein, donc, c'est le PPU contrôle. Hein, donc, euh Là ici, on vient donc désactiver euh, euh, le contrôle. C'est-à-dire que si on, on vient stocker 0 en 2000, dans le PPU contrôle, on lui dit hop, tu t'éteins. que tout est à 0. D'accord Le réglage de l'affichage dans 2001, ce que nous avons fait ici, hein, dans 2001, on est venu activer le background. 2002, on fait une lecture du masque d'écriture de l'état du PPU. C'est ce que nous avons fait ici. On est venu lire euh, l'état euh, du PPU. Hein, on est venu voir si l'état ici, c'est-à-dire si son masque est changé. 2003, c'est le registre d'adressage pour les sprites. Alors ici, on voit bien qu'on ne l'utilise pas, je ne pense pas, puisqu'on n'affiche pas de sprite. Hein. On ne l'a pas 2003, puisqu'on n'utilise pas de sprite. On verra plus tard. 2004, c'est pareil, on ne l'a pas, puisqu'on n'utilise pas les sprites. 2005, gestion de décalage de l'écran, on ne fait pas. Pour l'instant, on ne fait pas de, euh, de scrolling à l'écran. Le registre d'adressage, on l'a utilisé 2006. Hein, ici, 2006, registre d'adressage. Un, une adresse est codée en 16, euh, 16 bits, hein, donc sur deux octets. Donc on est obligé à chaque fois de rentrer l'octet fort et ensuite de rentrer l'octet faible pour avoir une adresse. C'est pour ça qu'on appelle ça le 2006, là, hein, le registre d'adressage. Donc on va mettre l'adresse qu'on veut utiliser. 2007, c'est le registre de données. Et on l'a utilisé également. Ici, on est venu stocker la valeur 0.1 à l'adresse stockée dans le PPU adresse. dans le PPU data, donc il y a l'adresse 3F00. 3F00, je vous ai dit, c'est important, puisque 3F00, c'est la palette de couleurs. On verra juste après. Alors ici, il euh, faut comprendre que le processeur 6502 a des, euh, ce qu'on appelle des registres d'état, hein, c'est le processeur statut qui permettent de d'avoir un certain nombre d'éléments euh, par exemple si le, le carré hein, s'il y s'il est à lors de, euh, il est un 1 lorsqu'il y a une retenue d'une addition hein, quand vous faites une opération mathématique hein, sur une base de 10 quand vous faites euh, ben 10 euh, plus 90 ça vous fait 100 donc vous mettez un 0 et euh, vous mettez une retenue euh, vous mettez une retenue en binaire. Si on a 1 plus 1, ça fait 0 et on met une retenue. Et bien le carré là, il sera mis en place en effet s'il y a une retenue. Ça nous dit en effet qu'il y a eu une retenue. Le 0, ici, si on a fait une opération et que le résultat est à 0, c'est ce flag Z là, qui sera mis à 0 l'IRQ, bah ça on a vu, hein, euh, l'a vu, donc c'est les requêtes hein, d'interruption qui sont désablées si on a positionné hein, les euh, si on a mis à un tout simplement euh, euh, cette requête là le Ici, pareil, le D, on décimal mode, donc si positionné, on est en mode décimal. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une erreur, j'ai mis 0. C'est en 7, donc on met un 1. On met un 1 ici. On 7 l'interruption, donc on met un 1. On le met un 1 pour dire comme quoi il doit être disabli, hein, tout simplement. Et là, le CLD, clear decimal flag. Voilà, ouais, ça doit être à peu près quelque chose comme ça. Euh, si positionné, on est en mode décimal, donc nous, on est, on veut pas le mode décimal. Donc euh, ah oui, si positionné, non, non, si c'est bien ça, non, non, c'était bon. Euh, si positionné, mode décimal. Donc là, on clear le décimal, donc on le met à zéro. Hein, donc là, ici, si vous préférez, on met euh, D égale 0. Hein, donc là, on le, on, on le supprime. Enfin, on le supprime, on le met à 0. Hein. positionner les interruptions sont masquées donc là on le set on le met à 1 pour le masquer et là on le disable hein, donc on le met à, on le clean on le met donc à 0 pour pas avoir le mode décimal le break commande bon pour l'instant on l'a pas vu overflow négatif bon pareil un hein, break commande bon, positionner à 1 si l'interruption est causée par un break hein, allez donc euh, ça c'est par rapport à la fonction IRQ hein. 0 implique alors une interruption externe. Bon, on verra, on verra ça au fur et à mesure. Hein. Overflow est positionné si la somme de deux nombres dépasse 1 octet, hein, donc dépasse 127 ou est inférieur à moins 128. Un rappel, 1 un octet c'est 255. Donc là c'est du signé, euh, donc de, 100, de moins 128 à plus 127 pour faire de 225 qui est en et ici, négatif positionné si le septième bit est positionné à 1. Ça veut dire que si ce bit ici est positionné, ça veut dire que le nombre est négatif. Les registres du masque du PPU. Hein, donc vous vous souvenez que nous, on a eu du 0, 1, 0, 1. 0, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de niveau de gris. 1 ici. On va afficher l'arrière-plan dans les 8 pixels les plus à gauche de l'écran. Donc on n'est pas, on ne le masque pas, on l'affiche. 0 ici et 1 ici, et on veut afficher l'arrière-plan. Voilà. Donc les sprites, on ne les utilise pas ici. Afficher les sprites dans les 8 pixels les plus à gauche de l'écran. Bon, on ne les a pas. Et ici, on a d'autres fly, hein, comme vous voyez, hein, qu'on peut mettre à 1 pour accentuer euh, le rouge, le vert, le bleu, etc. Hein, bon. La palette de couleurs. Donc, vous vous souvenez peut-être que nous, on a affiché la valeur 0,1. Hein, le 0,1 ici. Donc, on lui a dit, euh, ici affiche l'arrière-plan dans les 8 pixels les plus à gauche de l'écran. Voilà. Les plus à gauche de l'écran. Bon, ça peut peu arbitraire. Donc nous, on a affiché ce bleu-là, le 0,1. Souvenez-vous, hein, par $0,1. C'est l'hexadécimal également. Hein. Donc $0,1, c'est du bleu. On l'a affiché où Donc ici, euh, l'ai noté ça. J'ai pas noté que la palette de couleurs, ouais, j'ai pas noté. Mais la, cou... la palette de couleurs, elle commence à 3 f 000 Donc comme je vais éteindre la palette, la... la... éteindre 01 euh, en 3 dans la rame, en 3F00, j'ai mettre le 01 tout simplement dans la rame, dans la RAM. Hein. Voilà. voilà bah je l'ai noté ici, ouais c'est ça. Contrôle des couleurs, voilà, bah je l'ai noté ici. Voilà. Le PPU, vous voyez, commence à 3F00 et il va jusque 3FFF euh, au niveau euh, tout simplement de sa logique euh, de couleurs. Voilà, donc c'est-à-dire que ici on commence ici à 3F00 et on, on va se terminer à 3FFFFF pour la plage complète de, de la palette de couleurs. Alors quand le bit 0 du masque de contrôle de, qu'on a vu juste avant est à 1, et ben pour pouvoir justement attaquer les pixels gris, c'est-à-dire ici, 0, 10, 20, 30, et ben, on fait une opération mathématique qui est un et logique, de 30. 23 est, est implémenté sous la forme d'un et logique au niveau du bit avec la variable 30 en hexadécimal. C'est-à-dire qu'on va éliminer et remettre quoi qu'il en soit à zéro tous les pixels qui sont après, derrière, tout simplement, pour qu'ils soient uniquement sur sur cet adressage ici. Voilà. Notez également que les couleurs noires comme 0F seront placées par une couleur 00 qui est un gris noir, non, non, pas qu'un gris qui n'est pas, pas noir complètement. Hein. Ça, on l'a vu, hein. les bits 5, 6, 7 vont contrôler l'accentuation du rouge, du vert et du bleu. Ah oui, donc là c'est important, hein, si le bit 0 est à 1, donc quel, même si vous avez choisi euh, les couleurs, euh, les accentuations sur les couleurs seront également indépendantes hein, du bit 0. C'est-à-dire que la saturation va quand même se faire sur la couleur. Donc on va toujours teinter euh, de la couleur de l'image grise. Bon. Alors ici je, je rappelle, c'est quoi les opcodes Donc le bit, on l'a vu, hein, on fait une lecture euh, à l'adresse, hein, tout simplement d'un octet. Voilà. Hein, le BPL c'est une boucle. Elle va boucler euh, tant que euh, on nous sommes à, à zéro. Hein. On clire hein, si le registre d'état euh, on lui dit euh, bah qu'on euh, qu veut pas, on veut pas que, on veut pas calculer en décimale, hein, donc on, on veut pas faire de calcul en décimales, on le met donc à zéro, hein, comme il est écrit ici. Hein. Le jump va sauter à une adresse ou à une étiquette, hein, donc c'est un saut inconditionnel, hein, c'est-à-dire que là il n'y a pas de, il a pas de condition, hein. on saute, on va directement, boom. LDA, donc on va charger dans l'accumulateur. LDX, on va charger dans le registre X. Le RTI, c'est un retour d'interruption. SEI, on vient CT, donc I, donc on va mettre le registre d'état d'interruption I11 on stocke dans l'accumulateur donc on va s on vient euh, stocker euh, euh, ce que nous avons dans la valeur a euh, dans un, dans une adresse hein. ouais euh, euh, ouais ça c'est pas très bon ce que j'ai mis là pas... non non quand on fait le ici le STA, là On va pas stocker dans le registre, on vient stocker euh, à l'adresse. C'est-à-dire qu'on vient écrire à l'adresse 2001 ce que nous avons dans le registre A. Hein, donc ça, je vais, je vais le corriger. Hein, de toute façon, euh, en même temps que je fais la vidéo, on ne fait pas, on stocke pas dans le registre. On va stocker euh, le registre A à, la, à une adresse donnée. Alors, je vais corriger ça. C'est pareil, mais pour le registre X. Hop, voilà. Ben, on ne vient pas stocker euh, ce qu'il y a dans A. Euh, hein, on vient stocker le registre A, c'est-à-dire ce qu'il y a dans A. On vient le mettre tout simplement dans une donnée. Donc on transfère, on se transfère ce qu'il y a dans A à une adresse donnée. Et pas, on charge pas. Là on charge, donc on va mettre dans A. Là on porte ce qu'il y a dans A ailleurs. Hop, ça ça enregistré. Comme ça on va pouvoir continuer. Bon, je corrige en même temps les petites erreurs. Donc après il y a les, alors ça ce sont les les opcode qu'on a vu dans ce premier exercice. Donc il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc il y a dit euh euh que vous avez vu sur les euh, bah sur les 54. Ah hein, 54 ou 56 s'il existe. Alors déjà vous avez vu euh, une grande partie. <laughs> On a vu les commandes de commandes de contrôle, hein, c'est-à-dire tout ce qui est commande de contrôle, c'est tout ce qui commence par un point. On a point B ou point byte, hein, c'est pareil. On permet de donner en, en taille d'un octet. On permet de stocker des données en taille d'un octet. Ouais. Le point segment délimite tout simplement une plage d'adresse, un début d'adresse. Hein, on va dire par exemple que on va commencer au code et le code il commence mettons à C000 par exemple hein, je dis n'importe quoi hein. Point .RES on va réserver un nombre d'octets de stockage réservé donc on va réserver ici hein. allez, allez. ici on réserve 8192 octets moi, j'ai précisé que je veux mettre dans ces 8192 octets la valeur 0. J'aurais pu simplement réserver 8192 et, 1 et rien mettre ici, hein. Alors, Bon. Moi, j'ai préféré faire l'initialisation avec des zéros. Bon. Voilà. On est déjà si malin. Hein. Et après, il y a les. Il y, a, il y a plusieurs. Enfin, j'ai mis cinq modes d'adressage, mais il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a le mode d'adressage direct, immédiat, indirect. Euh, bon, on, 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 une chose à la fois. On fait une petite introduction sur les modes d'adressage. Alors, c'est quoi un mode d'adressage ben, C'est comment on passe des valeurs. Hein, donc, notamment les adresses. Donc là, vous voyez bien qu'on passe directement ici euh, l'adresse 2002. Donc, on est en adressage direct. Hein euh, D'ailleurs, on a que... Euh, là aussi, on voit qu'on passe... Euh, C'est également l'adressage direct, mais par valeur ici. Hein, C'est plus une adresse. Hein, donc, euh, là, on lui donne la valeur 0,0. Donc on verra les différents modes d'adressage euh, sur euh, les prochaines vidéos. Aujourd'hui, euh, ce que nous avons euh, fait dans le cadre de cette vidéo. Alors déjà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous y abonner, de partager la vidéo auprès de vos euh, amis hein, qui développent également ou qui souhaiteraient développer sur des consoles, hein, euh, consoles de, de salon, hein, que ce soit PlayStation, Xbox, euh, je sais pas, Mega Drive, euh, Commodore, euh, euh, NES, Super NES et autres, hein, euh, leurs propres jeux ou, ou s'ils ont déjà fait des jeux, pouvoir les porter, n'hésitez ben, pas à leur transmettre euh, la, la vidéo pour que eux-mêmes s'y abonnent et qu'ils suivent hein, tout simplement les cours qui vont suivre, hein, tout simplement, puisqu'on va aller euh, de plus en plus loin. Et on va voir également euh, comment on va pouvoir mettre en place euh, le langage sèche euh, pour euh, faire notre propre euh, bibliothèque. On revient à ce qu'on faisait avant, hein, à notre moteur de jeu, hein. mettons pour console. <laughs> Hein, puisque euh, il faudra bien qu'on puisse programmer dans un mode, je dirais, euh, de programmation un petit peu plus avancé, qui est le langage C. Alors, on a vu comment euh, créer des procédures, hein, donc on va voir euh, euh, comment créer euh, notre bout de code en assembleur pour pouvoir les, les appliquer en langage C, par exemple. Hein enfin, tout ça, on verra au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on a commencé à voir un peu euh, l'assembleur. On a vu un peu comment fonctionne la machine en interne au niveau du PPU pour pouvoir donc afficher donc une couleur. Euh, dans euh, le PPU euh, background couleur euh, numéro 0, c'est-à-dire, euh, enfin la couleur numéro, euh, <laughs> moi je vais dire ça, mais a été récupéré dans la mémoire euh, du PPU, donc de sa palette à l'adresse 3F00... Euh, on est venu lui implanter donc la valeur 0.1 qui correspond au bleu pour qu'il euh, puisse l'afficher au niveau du background. Voilà. Bon, euh, vous, <laughs> vous avez compris. Hein. Voilà. Et puis on a vu qu'on pouvait passer ici euh, la gamme loop et bien évidemment euh, travailler euh, ensuite euh, les déplacements, etc. Bon. Voilà. Bon, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Euh, euh, si c'est le cas, on va continuer un petit peu là-dessus, là, là hein, dans les vidéos qui viennent, euh, puisque pour l'instant, ça me branche un peu de, de faire ça, hein, tout simplement. Je reviendrai plus tard sur notre moteur de jeu. Euh, qui était en, en cours hein, sur les vidéos précédentes pour développer hein, sur euh, sur PC, euh, PC Linux etc. Bon, une chose à la fois. Bon, euh, pour l'instant, je suis sûr, euh, sur ça. Je vais avancer euh, de façon à vous donner euh, les, les éléments euh, clés pour pouvoir créer un jeu. Et ensuite, je reviendrai sur euh, sur le moteur, notre moteur 2D, hein, de moteur 2D3D euh, en langage en C. Voilà. Donc, si vous appréciez, bon, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et partagez la vidéo. La vidéo suivante, ben, on va voir comment on va afficher euh, maintenant euh, plus un, un sprite hein, euh, à l'écran. Alors euh, Ouais, je ne sais pas si je vais déjà commencer à basculer, je dirais, en, en langage C, hein, puisque nous avons CC65, hein, qui permet également de compiler en langage EC. Hein. Je vais y réfléchir, je vais voir si on part de ce programme ici, hein. si on part de ça et qu'on arrive à refaire la même chose en langage C ou en créant une petite librairie qui va reprendre le mode reset puisque ça la procédure reset ben pour l'instant euh... ouais on pourrait écrire une procédure ici pour euh... Euh, désactiver donc l'affichage hein, on sait comment le faire hein, ou euh, réactiver l'affichage hein, voilà on désactive on réactive l'affichage on sait le faire hein, puisque là on sait ce qu'on a fait ici hein. on désactive ici on réactive là bon on va regarder ça voilà. Et puis il faut que je parle un peu de, de ça. Donc la prochaine vidéo, on va voir un peu euh, les différentes cartouches hein, NES, S. effet, il existe différentes cartouches avec différentes composants euh, dessus. Hein. Bon, on en avait déjà plus ou moins parlé euh, dans les gazettes, euh, dans les gazettes euh, précédentes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider à euh, je dirais mieux comprendre euh, la programmation euh, du euh, processeur 65 euh, notamment euh, l'architecture euh, ppu euh, du, de la console nest voilà je puis on, on va avancer comme ça au fur et à mesure de, du temps et euh, je pense que euh, on arrivera à créer un petit jeu et euh, petit jeu simple. Alors après, je, je n'ai pas encore en tête, hein, on va voir, hein, on va voir comment ça fonctionne en interne. Afficher une image, la faire bouger, enfin afficher un pixel, enfin un pixel, euh, afficher un sprite hein, et le déplacer à l'écran. Euh, Afficher peut-être un son, une musique. Alors, du moment qu'on arrive à afficher des sprites et jouer des sons et des musiques, ben, le jeu est quasiment fait. Hein. Après, il faudra gérer juste des collisions. Voilà. On voit comment on gère les nombres aléatoires, puisqu'on aura besoin de l'aléatoire dans les jeux. Voilà du moment où vous savez jouer un son, une musique, afficher un sprite et euh, faire de la collision euh, et les déplacements bien évidemment avec le joystick, euh, ben vous pouvez créer vos jeux. Hein. Maintenant vous avez vous avez tous les éléments pour créer euh, créer votre jeu. Donc là on a vu euh, l'initialisation de du PPU et quelques registres hein, tout simplement du PPU hein, voilà, qui nous permet notamment de gérer euh, le fond d'écran une couleur bleue on n'a plus qu'à euh, bah, poursuivre hein, tout simplement euh, sur les prochaines vidéos hein. allez je vous dis un bon week-end à la vidéo donc euh, bah la vidéo prochaine euh je ne sais pas encore ce que je vais faire dans cette vidéo prochaine. <laughs> je n'ai pas encore imaginé, alors je, je vais voir, je vous prépare tout ça, puis euh, ça sera la surprise. N Oubliez pas de vous abonner, vérifiez que vous êtes toujours abonné, puisque j'ai vu euh, que certaines personnes, euh, que je connais d'ailleurs, m'ont dit qu'ils ne recevaient pas mes notifications. Et euh, quand je leur ai demandé s'ils étaient euh, bien abonnés, se sont rendu compte que YouTube les avait euh, désactivés en tant qu'abonnés. Alors je ne comprends pas la logique de YouTube qui se permet de supprimer des personnes qui s'abonnent à des chaînes, sans que les personnes eux-mêmes se sont désabonnées. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, si la personne qui s'abonne à une chaîne. Euh, ne vient pas revoir la chaîne au bout d'un certain temps ben elle est désabonnée d'office ah ben ça c'est pas très cool euh, de la part de youtube hein, puisque euh, on travaille hein, et moi je ne peux pas euh, me permettre euh, de faire des vidéos tous les tous les jours hein, ou tous les semaines hein, euh, c'est pas mon métier hein, donc euh, je fais ça parce que c'est une passion mais c'est pas c'est pas mon gain de pain hein, euh, je gagne pas ma vie avec des vidéos, hein. donc on les fait vivre. Parce que si euh, les youtubeurs n'existaient pas, ben YouTube il n'y aurait plus personne. Donc laissez-nous au moins nos petits abonnés euh, qu'on a euh, avoir euh, en réception nos notifications pour qu'ils puissent regarder notre chaîne. Voilà, donc encore une fois, c'est encore une histoire de, de pognon hein, tout simplement. Hein que YouTube euh, veut à tout prix euh, rendre plus compliqué, euh, euh, puisque si j'ai bien compris, il fallait euh, 1000 abonnés, je crois, pour pouvoir commencer à rentrer dans leur programme de euh, de, de rémunération, je crois, quelque chose comme ça. Bon, moi, j'en ai rien à foutre, mais apparemment, bah, YouTube, euh, ils en ont à foutre, hein, puisqu'ils dépensent un peu d'argent et euh, ils veulent gratter un maximum. Hein. Enfin bref, encore une mentalité euh, euh, de capitaliste on va dire. Bon, allez, je vais pas vous retirer plus longtemps. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. S'il y a des conneries que j'ai fait ben euh, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Euh, moi, comme tout. Hein, euh. Je peux faire des erreurs, hein. d'ailleurs j'en ai corrigé quelques-unes ici à droite à gauche. Hein. Voilà, donc tout ce qui est euh, gazette ici euh, au PDF, j'avais dit que j'allais vous les mettre euh, en bas, hein, tout simplement, euh, dans la descriptif, dans le descriptif de la, de la vidéo. Alors, ça ne sera pas le cas tout de suite. Euh, il va falloir que, que je vois comment je vais faire ça. Euh, je pense que je vais je vais parce que je vais devoir les stocker sur, euh, bah sur un serveur quelque part hein, pour vous les mettre à disposition. Donc euh, bon pour l'instant c'est pas le cas, mais comme je vous dis, hein, vous regardez la vidéo, bon bah, vous avez toutes les explications euh, et la possibilité de tout relire hein, tout simplement. Hein. Après, une fois que c'est compris, une fois que vous avez compris les, 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 les choses importantes, notamment au niveau comment vous adressez les registres du PPU pour l'affichage des sprites, l'affichage de l'arrière-plan, etc. Bon. Bon, après, une fois que c'est su, une fois que vous commencez à travailler avec ça, que vous l'avez en tête. Puis même dans votre code, hein, comme ici, hein, dans le code, hein, quand vous codez, vous mettez des commentaires. Ah oui, ça aussi, je ne vous, je vous l'ai pas dit. Hein. Le point virgule ici, c'est tout ce qui est après, c'est un commentaire. Donc vous pouvez très bien euh, comme ça euh, tout coder, tout euh, commenter, chacune des lignes. Et puis comme ça, vous allez pouvoir vous référencer euh, aux informations euh, importantes. Hein, euh, euh... Bon, allez, passez un bon week-end et je vous dis donc à la vidéo prochaine, au revoir.